pays qui veut faire de l'Afrique, la République démocratique du Congo, elle n'est pas pour occuper la place du gagnant dans le Conseil de l'Afrique. Globalement, les signes vitaux de la nation sont porteurs d'espoir et d'inquiétude. C'est par cette phrase que le président de la République a conclu son discours sur l'état de la nation, prononcé devant les élus du peuple réunis en congrès. Joseph Kabila a redit sa détermination à lutter contre le poche d'insécurité qui persiste à l'est de la RDC par le moyen tant diplomatique, politique et militaire. Il s'agit du centre et du bien-être d'une population étant dans un espace de vie où se trouve une modèle de communauté entretenue de la paix et de la réconciliation est un facteur de rétablissement de confiance. Et des efforts diplomatiques sont très perceptibles dans la sous-région. Notre diplomatie est en marche en vue d'éviter les contentieux réels ou supposés qui empoisonnent nos relations avec certains de nos voisins. Sur le plan socio-économique, le président de la République a indiqué que le programme d'action du gouvernement reste réalisable pour le développement du pays, malgré la lenteur connue dans son exécution. Cette ambition est légitime. Vu la diversité et la richesse de nos ressources dans notre jeunesse, la réaliser est une question de temps, mais aussi et surtout de vision, de volonté, de la discipline et l'organisation. En ce qui concerne la crise mondiale, la RDC prévoit d'abord de lutter contre la dépendance alimentaire et de suivre ensuite les recommandations de la cellule gouvernementale qui étudie des voies de sortie sur le plan interne. Quant à la lutte contre l'impunité, la corruption et les violences du droit de l'homme, le chef de l'État déclare placer sa confiance en la justice et aux recommandations qui découleraient de contrôle parlementaire. Parlant de l'opposition, Joseph Kabila a souligné qu'elle a un rôle important à jouer dans le processus démocratique en cours en République démocratique du Congo. Cette nouvelle guerre ne peut en aucune manière éloigner la République démocratique du Congo de sa marche vers la réalisation de ses objectifs prioritaires ou des horizons meilleurs. Bien avant son adresse au Congrès, le chef de l'État avait entamé une série de rencontres avec le parlementaire, regroupés selon leurs provinces, majorité et opposition confondues. Et ce, pour discuter non seulement de l'évolution de la situation sécuritaire à l'Est, mais aussi d'autres problèmes des divers ordres qui concernent leurs provinces respectives. La situation qui traverse actuellement notre pays nous a donné l'occasion d'évaluer les effets de solidarité entre toutes les institutions de l'État, impliquées directement ou indirectement dans cette bataille de la survie de la nation. Pour finir, ou plutôt la crise à l'Est, tous les animateurs des institutions emboîtent le pas au chef de l'État. C'est dans ces cadres que le président de deux chambres du Parlement ont conduit une forte délégation de parlementaires congolais aux assises de la conférence de parlementaires de la sous-région, rencontre qui a été sanctionnée par la signature d'un accord instituant le forum de parlementaires de Grand Lac. Afin de garantir la stabilité du cadre macroéconomique en 2009, mon gouvernement maintiendra une politique budgétaire rigoureuse à travers une gestion sur base caisse et une politique monétaire prudente. La politique du gouvernement pendant l'année 2009 s'exprime dans le projet des budgets présenté aux députés nationaux par le Premier ministre. Équilibré en recettes comme en dépenses, il se chiffre à 4,9 milliards de dollars américains, dont 56% en termes de ressources propres. Des questions ont été posées pour cerner les contenus de ces projets de loi budgétaires. Critiques et suggestions ont été ainsi formulées à l'occasion. À la réplique, Adolphe Mouzito a été expressif, à la limite convaincant quant au caractère réaliste de ces projets de budget
de consolidation des efforts de bonne gouvernance instaurés comme mode de gestion au sein de l'exécutif. J'aimerais vous rassurer de la volonté du chef de l'État et de mon gouvernement de trouver des solutions adéquates à toutes les contraintes du moment à l'occurrence. La guerre à l'Est, à laquelle nous devons mettre fin par tous les moyens, à savoir politique, diplomatique et militaire. Les préoccupations d'ordre social, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires et la solde des militaires et policiers. Les retombées de la crise économique mondiale sur notre économie. Le projet des budgets 2009 est par paresse intellectuelle le plagiat de certaines publications du Fonds monétaire international. Cette affirmation d'un député national a poussé le Premier ministre à formuler des observations suivantes. Les projets du budget 2009 est l'œuvre du gouvernement légitime de la RDC et non la propriété intellectuelle d'Adolphe Mouzido. En tant que membre à part entière du FMI, la RDC a pleinement le droit de se servir des publications à usage officiel de cette institution, puisqu'elle constitue le patrimoine commun de ses membres. J'estime qu'à l'avenir, nous devons éviter de faire de ces hauts lieux de démocratie une tribune ouverte aux attaques à la dignité et à l'honneur, car je pense comme la plupart d'entre eux qu'un député national n'a pas besoin d'utiliser un langage déplacé pour faire passer son message. L'exercice démocratique s'est véritablement installé en République démocratique du Congo. Le Premier ministre, revêtu de sa peau de chef de la majorité, a lancé le débat de fond en comparant le projet qu'exécute la majorité et celui défendu par l'opposition pendant la période électorale. La différence est détail. Avec le même président, nous avons fait mieux. Avant le 1 plus 4, il a fait mieux. Voilà où se situe la différence, monsieur le président. Je vais passer ceci parce que l'opposition n'est pas habituée à la contradiction. Durant les deux premiers budgets présentés par Antoine Gizenga, le bailleur de fonds, partenaire traditionnel de la RDC, n'ont pas tous tenu à leurs promesses. C'est pour leur rappeler l'importance de leur appui que le Premier ministre Adolphe Mouzito les a réunis à la primature. L'ambassadeur de France, qui assume encore la présidence, a dit leur satisfaction au regard de propositions des secteurs d'appui qui leur ont été faites par le Premier ministre. C'est aussi dans cet ordre d'idées qu'il faut classer les succès obtenus par le ministre des Finances, Athanase Matenda-Kyelou, au cours de son récent séjour au Luxembourg. 110 millions d'euros ont été déboursés par la Banque européenne d'investissement et qui pourront financer certains projets d'urgence, notamment dans le domaine de l'énergie. La production de l'énergie à travers Inga, c'est un projet qui n'est plus national. L'ensemble de l'Afrique, d'une manière générale, est appelé à bénéficier de ce potentiel. Donc, c'est vous dire combien nous sommes heureux que la BEI se soit jointe pratiquement à d'autres bailleurs de fonds que la Banque mondiale. Que sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Avec la BEI, les relations étaient en rupture depuis près de 20 ans.